Monsieur le Premier vice-président de la Fédération malienne de football, mesdames, messieurs les membres du comité exécutif de la Fédération malienne de football, chers amis journalistes, il est de tradition que nous avons voulu, à l'entame de notre mandature, de dire que nous allons partager l'essentiel des grandes décisions avec vous, les journalistes, pour vous permettre d'informer l'opinion nationale et internationale. Nous avons reçu les $500 000 dédiés au football féminin sur l'encadrement du football féminin. Dans ce budget, fait 5 500 000 de francs CFA. L'équipe nationale féminine senior reçoit une dotation de 19 250 000. L'équipe nationale féminine jeune, 11 millions de francs CFA. Les compétitions nationales féminines seniors et éventuellement le protocole sanitaire fait 55 millions. Les compétitions nationales féminines de jeunes, y compris le protocole sanitaire, 33 millions de francs CFA. Les entraîneurs pour le football féminin, 11 millions. Et les arbitres de football féminin, 2 750 000. Le festival ou séminaire de formation et de détection, 27 500 000. Les subventions accordées au club féminin, 77 millions. Autres compétitions, toujours dans le cadre du football féminin, 33 millions. Donc, voilà, chers journalistes, l'information que nous avons voulu partager avec vous.